Salut tout le monde, c'est Mrekcha. Aujourd'hui, on se retrouve pour. Oh, j'ai une abeille, il y a une abeille. Allez, dégage, dégage, elle dégage, sale pute. Dégage, dégage. J'ai dû la buter avec le coussin. Les vacances commencent bien. Ça commence déjà par une petite guêpe qui essaye de m'attaquer dès le matin. Bref, allez, c'est parti. Et salut tout le monde, c'est Mrekcha. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo vlog. Voilà. Enfin, on se retrouve pour une vidéo vlog. Alors, est-ce qu'il existe des grandes vacances ou on ne part pas en vacances? Non, je ne pense pas. Comme je vous l'avais dit, je partirai en vacances en août. Voilà. À la mer. Voilà. Plus précisément à Saint-Cyprien. On va partir. Voilà. Pour 2 semaines. 2 semaines et quelques. 2 semaines et 2 jours. Ça va être super. Ça va être de très bonnes vacances. Je vais tout faire en vidéo. Je vais vous montrer tout ce qu'on va faire. Donc là, c'est le matin. Je suis vraiment crevée. Je suis désolée, les gars, si je bégaye ou si... Ou voilà, si j'ai cette tête-là. Mais c'est parce que j'ai dû me lever tôt ce matin. Et là, on est parti pour 4 heures de route. Voilà, pour y aller. On est parti pour 4 heures de route. Et voilà quoi, ça va être long. Voilà, je vous filmerai un petit peu la route, comment c'est. Je filmerai la mer. Bref, je filmerai toutes les activités que je ferai ces vacances. Je le filmerai en vlog, histoire de vous le partager. Bref, sur ce, à tout. Voilà, là, on est sur la route. Mate ça, toutes les bagages. Mate toutes les bagages. Vraiment, il me reste que ce qu'on a là. MDR. Donc là, ça fait à peu près 1 heure qu'on est en route. Et logiquement, du coup, on va arriver dans 3 heures. Là, ça fait au moins peut-être 2h30 de route qu'on a fait. Donc là on est à la pause, voilà, on bouffe tranquille. Voilà. Wesh, mais il y a une abeille. Oh vraiment, pardon. Aujourd'hui, les guêpes ou les abeilles ou je ne sais quoi, elles font que m'attaquer. En début de vidéo, dans la chambre et... Non. Bon allez, c'est parti, on va reprendre la route. Et encore peut-être à peu près 2 heures de route. Bon petit rec, il y a eu un changement de temps. Parce que au final, là, il est 4h30 de l'après-midi. Au final, ça n'aura pas été 4 heures de route, ça aura été beaucoup plus. Disons 6 heures de route, là. Quand on sera arrivé, je vous dirai au total combien de temps ça aura fait. Mais on a eu pas mal de bouchons, ce qui nous a pas mal ennuyé. Là, je regarde l'heure. Mais voilà, vous demandez pourquoi j'ai des écouteurs. Parce que pendant tout ce temps, comme je m'ennuyais, j'ai commencé à mater des petites séries Netflix. Voilà. Allez, cette fois, vraiment, je ne refais pas de rec. Le prochain, c'est quand on sera arrivé. Sur ce, à toutes. Les gens, et vraiment, excusez-moi d'avance. Si je parle et que je suis vraiment éclatée, vraiment, c'est pas de ma faute, c'est que je suis vraiment éclatée. Ce matin, on s'est levé tôt, on s'est tapé 6 heures de route. Là, on est enfin arrivé à l'appartement, on a fini de ranger nos affaires, pour préciser. Là, je suis vraiment crevée, là, on va se reposer. Ce soir, on va bouffer au resto, ça fait plaisir. Giga glace italienne. Chocolat pistache. On va écouter les gens, c'est la fin de la journée. Voilà, je suis vraiment éclatée. Je vais tarping bien dormir cette nuit. Voilà. Et demain, on sera en forme. Allez, sur ce, à toutes. Je me suis levée à 1h. Voilà, j'ai tarping bien dormi. Voilà, pour... Donc là, on se retrouve le jour 2. Alors là, pour info, on vient de manger. Voilà, il est plus précisément 14h30. Cet après-midi, on va aller à la plage, voilà, on va aller bronzer un peu, faire la petite bronzette, et aussi nager dans la mer. Alors, sachant que je n'ai pour l'instant pas encore de caméra, et que pour les vidéos IRL, je filme encore toujours avec mon tel, je pourrais malheureusement pas me filmer nager dans la mer, voilà, ce qui est compréhensible, parce que le téléphone, ça va pas dans l'eau, hein, ça va pas dans l'eau, il est pas waterproof. Pour les gens qui pensent à la rêve de TK... Le dernier Max, ou je sais pas quoi, il est water... Tout ce que je pourrais faire, c'est vous faire un petit rec à la plage. Voilà, pour vous montrer un peu comment on est calé. Je vous montrerai un peu comment on est. Voilà, on va d'ailleurs importer un parasol. J'ai hâte de me taper des bonnes vagues. Après, on verra pour les activités. Et on va aussi chercher d'autres activités, histoire de vous divertir un peu. Et que je profite de mes vacances. A toutes, à la plage. On est arrivé à la mer, là, on est à la plage. Tranquille. Là, la mer, vraiment... Paysage infini. La mer est vraiment immense. Immense. Du bon coca.
gars, on se retrouve après la mer. Voilà, on est rentré de la mer, on se retrouve voilà maintenant à l'appartement. On se pose tranquille, boire un coup. Je vais déguster le panaché. C'est comme un goût de bière. On a commandé des pizzas, grandes pizzas, kebab. Voilà une bonne pizza kebab. On a pris 4 saisons, du vin. C'est du rosé exprès pour la canicule. Et moi perso, je vais me prendre un petit coca, une petite canette de coca avec la pizza. Pas mal. En vrai, pas mal cette bonne pizza kebab. Voilà, j'ai terminé de bouffer ma pizza. Vraiment, j'ai bien bouffé. J'ai bouffé une grande, assez belle vague. Putain, ça fait tarping le bruit. Hein. Ça fait beaucoup de bruit. Hein. En vrai, aujourd'hui, il y a plus de vagues qu'hier. Bon, là, on est tranquille. C'est calme, il y a beaucoup moins de gens. Tranquille, petite balade au bord de la mer. Deux petites mouettes qui sont sur le haut des cheminées. On se retrouve l'après-midi. Il est à peu près 4h30. On est à la mer, tranquillou. Alors, vous vous demandez, je suis dans quoi? On a acheté à Decathlon un truc. Enfin, genre, c'est un peu comme une tente, mais c'est ouvert sur le devant. C'est ouvert. Et ça me permet de me couvrir du soleil et de me poser tranquillement à l'ombre. Et ça empêche que je sois tout le temps au soleil et que ça tape fortement. J'aime bien bronzer au soleil, mais pas rester trop longtemps, parce qu'après, voilà, au bout d'un moment, on a trop chaud et... Et l'eau de la mer est pas si chaude que ça non plus. Il y a full vague. Bon, après, encore que les vagues, c'est amusant. Hein. Vraiment, ça, j'aime bien. Moi, je vais bientôt me baigner. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il fait assez grisâtre. C'est pas non plus le soleil pétant. Il fait assez grisâtre. Enfin, il grille, il fait un peu gris, quoi. Ouais, ça, c'est bien, ça. C'est quand tu te fais traîner en bouée. Quand il y a un bateau qui... Ça a l'air bien, ça. C'est au coca. Tarte en frais. Ça fait froid aux dents. Petit entraînement. J'ai les cheveux mouillés. Faites pas attention, c'est parce que j'ai pris ma douche. Je vais faire mon petit sport de la journée. Et aujourd'hui, je vais vous montrer en vidéo. Je sais que j'ai pas beaucoup de place, mais on va faire avec. On va être sur des pompes. Donc, objectif, c'est essayer de faire 20 normal. L'objectif c'est de faire des séries de 20. L'objectif c'est de faire des séries de 20. Voilà, maintenant que j'ai fait 20, si je veux, je peux faire plus, mais je vais garder mon énergie. Voilà, là j'ai fait ma première série de 20. En vrai, ça va, en vrai, je peux tenir, je peux encore en faire d'autres. Moi, personnellement, je fais plusieurs séries de 20, voilà, par jour. En général, je suis à peu près entre 3 à 4 séries de 20. Pour l'instant, moi, je m'entraîne que sur les pompes. Et c'est ce que j'aime, c'est ce que j'ai le plus aimé dans le sport. Sauce pimentée, voilà. Avec 3 bonnes pizzas. 3 bonnes pizzas. Moi, la mienne, c'est une grande. J'ai pris une Tex-Mex. Mama, regarde-moi ça, cette bonne pizza-là. Ça vous donne pas envie, ça? On va la rebouffer en entière comme la dernière fois. Je vais prendre un petit rec à chaque fois que j'aurai bouffé une part MDR. Je sais pas si c'est drôle. Voilà, j'ai pris Tex-Mex. Voilà, donc c'est sauce barbecue avec poulet, Tex-Mex, olive noire. C'est fait de crème fraîche et aussi de sauce tomate. Avec des oignons et des poivrons. On n'oublie pas aussi le petit coca.
On va déguster cette bonne pizza à la gueule de lapin. Dernière part, les gars. Est-ce qu'on peut le faire? Alors, on a bien retourné la pizza, là. On l'a bien bouffée. Je l'ai terminée. La pizza, je l'ai terminée. Je l'ai retournée. Now the water is rising and I'm so tired to swim. And my lungs just can't take it, but I keep breathing you in. So tell me lies, tell me painted truths. Anything at all to keep me close to. Les gens se retrouvent le dernier jour, du coup. Là, on va partir, voilà. J'ai fini de préparer mes valises. Putain, je suis vraiment mal coiffée, sa mère. Qui est fait. Donc voilà, on va partir. On a, pour le retour, à peu près 4 heures de route. Tout dépendra, parce que si on a des bouchons, et ben, logiquement, ça prendra plus de temps. Donc ça prendra peut-être 6 heures, comme l'aller. Quand on a mis l'aller, on était censé mettre 4 heures de route. Sauf que finalement, on avait mis 6 heures de route parce qu'il y avait eu des bouchons. Et voilà. Si jamais vous voyez que je transpire, c'est parce que vraiment, à la mer, il fait très très chaud. Ici, c'est la fenêtre. Il y a la chaleur, en fait, qui rentre. Donc voilà. Je pense pas que c'est nécessaire que je filme le retour, etc. Mais j'espère que vous avez bien aimé ce vlog. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vraiment ça vous plaît, les vlogs. J'en ferai d'autres quand j'aurai l'occasion d'en faire. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimé. À vous abonner à la chaîne. À activer la cloche pour rater aucune de mes vidéos qui sortiront. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo. Et dites-moi aussi dans les commentaires si vous aussi vous êtes parti en vacances, que ce soit à la mer ou à d'autres endroits, ça m'intéresse. Sur ce, bye bye.